Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FS 17 sur la série à reprise d'une ferme. Donc voilà, je mets mon petit chrono. Donc aujourd'hui, on va semer. Donc le son déjà est trop fort pour moi, je trouve. Bon voilà, donc j'ai changé. Donc on avait un case, si vous vous souvenez, dans l'épisode. Pendant le premier épisode d'explication, nous avions eu un 1455. Là, j'en ai un. Je l'ai revendu. Donc, vous voyez que j'ai 76 910 euros. Parce que j'ai revendu le 1455 qu'on avait de base. Et j'ai pris le pack de famille, le 1455 XL International. Donc, voilà. Et on va semer avec le semoir de base. Petit à petit, vous verrez des petits changements. Donc, là, je vais mettre N. Là, on est en train de charger pour aller semer. Voilà. Voilà. Donc voilà, on fait un peu RP. Donc là, on va semer du blé, on verra. Donc voilà, je suis avec le petit 1455. Désolé, ça lag parce que je sais pas pourquoi ici dehors beaucoup de détails et mon PC doit pas supporter. Bon déjà, alors les champs qu'on va avoir dans la vidéo, ben, que vous verrez dans les champs, dans les champs que j'aurai moi. J'en aurai que 3. D'accord? Il y aura peut-être une prairie. Il y aura une prairie ou deux. C'est tout. Que j'ai aussi. Ça, je les ai pas mis les champs. Mais parce que pour l'instant, on va faire que côté pour semer. Donc. Donc voilà. Donc. Vous voyez le premier changement. Petit à petit, vous verrez des petites nouveautés comme. Là, vous voyez le 1455 international. Voilà. Donc, on va semer le grand champ, je pense, en orge directement. Voilà. Donc, ces champs sont à côté de moi. Donc, c'est le champ 10, 11 et 12. C'est les 3 que j'ai rassemblés. Le reste sont pas à moi. Donc, on fera un RP. On verra le prix du champ. Mais bon. Voilà. Là, aujourd'hui, on va essayer de semer un petit peu. Sinon, dans le grand champ, on va faire du colza plutôt. Ouais. Dans le grand champ, on va faire un peu de colza. C'est le plus grand que j'ai. Parce que là, tous ces champs, on va dire, sont pas à moi. Même s'ils sont pas achetables dans cette partie, ils sont pas à moi non plus. Hein. Moi, je me suis contenté de 3. 3. Désolé, ça lag un peu parce que je viens juste de démarrer le jeu. J'ai des applications derrière qui tournent un peu. Donc, ça bug un petit peu plus, mais pas grand-chose. Donc, ça, c'est le champ. Voilà. Alors, le champ 12, ce sera le plus grand champ et on va semer de l'or, pas de l'orge. Du coup, on va semer du colza ici. Donc, je vais commencer par là-haut. Donc voilà, donc ça ce sera notre tracteur définitif. Peut-être qu'on changera peut-être au fil du temps. Faut que je fasse, c'est que je tire droit un peu au début. Ouais, faut que je tire droit. Donc vous savez quoi? On va commencer de là-bas parce que tirer droit c'est un petit peu compliqué. Alors, sachant que c'est les mêmes outils hein, que j'ai sur la partie si, pour ceux qui me suivent en live, ma partie perso. Donc moi je me suis fait un vrai petit truc de replay, ça me donne envie de jouer. Donc 7,
Alors, P. Alors, on va dire que le. Alors, le TA, l'or pulvé, font combien de largeur? S'il te plaît. Alors, pulvé. Le pulvé fait 15 mètres. Donc, on va se mettre en 12 mètres parce que 15 mètres pour. En fait, la largeur n'est pas considérée. Voilà. En menu, en semi, en auto. Et ce sera du 12 mètres. Désolé parce que c'est le truc. Allez, c'est parti, on enlève. Pourquoi j'ai. Et c'est parti pour semer. Donc là, on va semer du colza. Vous inquiétez pas, j'étais comme j'ai déjà comme ces champs, c'est pareil sur ma partie perso. Donc vous inquiétez pas, on sera pas trop perdu non plus. Je pense que ce sera la seule série qu'on aura sur cette partie, donc c'est le premier épisode. Voilà. Oh, on va se faire une petite photo ici, tiens. On va se faire une petite photo, nickel. Nickel. Ok, bon, ça m'a pris la photo. Donc voilà, donc on joue au roleplay. Donc quand je dis je joue roleplay, ça veut dire que voilà, je m'arrête. Voilà, là il va me demander de faire un truc, de me faire les deux trébuchants. Ne vous inquiétez pas. Donc ça veut dire que certains outils ne seront pas à moi, même si je les utilise, parce que c'est le TA. Ah, j'ai des petits coups de lag, je sais pas pourquoi. Attends. Merde, c'est pas ça. Ouh. Ouh. Ah. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc. Attends, est-ce que j'ai des erreurs? Ah oui. J'ai des erreurs. Ouais, c'est pour ça que j'ai des coups de lag. Je sais que j'ai des erreurs, mais où? Donc. Donc là, j'ai le proceed, etc. Pour faire mes entrées de champ et tout. Pour faire mes endroits de pulvage. Donc là, je vais pulver une première fois, puis après, petit à petit, on aura des achats qui arriveront petit à petit. Là, on peut, je vais vous dire, on a les moyens de se payer ce qu'on veut. Hein. On va dire, si je revendais tous les véhicules et que j'achetais des véhicules que j'ai sur l'autre partie, ouais. J'ai un mode qui fout la merde. Donc voilà. Donc voilà, alors. Donc voilà, donc du colza, du colza. Bon, j'espère que cette série vous plaît, hein. On verra si je fais des manques. Donc voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça. J'ai des erreurs, je sais pas pourquoi. Bon. Attendez. Voilà.
Donc voilà. C'est vrai que c'est bizarre, pourtant j'ai enlevé tous les modes. Voilà. Donc je vais vous montrer là toute une gestion que je suis en train de faire. Ah, donc voilà. Je vais vous montrer un peu après. Donc voilà, là, il m'a mis les retraitements pour les retraitements. Comme ça, je pourrais recouvrir ma surface tranquillement parce que sur l'autre partie perso, j'avais mis à 15 et ça n'avait pas ça. En fait, il y a des manquements, on va dire. Ça manque un peu dans le rôle. Donc là, voilà. Voilà. Je ferai peut-être finir en live, on verra bien. Voilà. Moi, je fais tout à l'aveuglette. Même si c'est pas droit, c'est pas grave. Je vais vous donner un petit coup de live, mais j'ai vu que ça a changé mon fond d'écran derrière. Bah, l'image du fond d'écran. Allez, je vous fais une autre bande avec vous. Et ça sera bon. Voilà, donc vous verrez. Maintenant, vous aurez que ces vidéos au lieu des vidéos not cheat que je vous proposais parce que j'avais pas la map et là je l'ai. Donc, c'est une petite map qui est idéale pour moi. Petite à la fois et j'ai vu l'intérêt que je pouvais faire avec la map donc il y en avait d'autres hein, map vous inquiétez pas mais trop grande pour moi donc celle-ci elle va nickel alors peut-être qu'on changera de map on verra bien si j'en trouve une meilleure ben on trouvera une meilleure mais donc voilà donc on va s'arrêter là pour le semi. Voilà, on va s'arrêter là pour le semi. Je vais sauvegarder la partie. On va se retrouver sur mon bureau. Tac, tac, tac. Ah, désolé, ça plante un petit peu. Voilà.
Hop, il l'a enregistré. J'avais pas vu. Et là, allez, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Allez, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis, c'est bon. Voilà, on va quitter. Et là, donc, pouf. Là, on va se retrouver sur mon bureau. S'il veut bien. Voilà, on se retrouve sur mon bureau. Alors. Oh, il a carrément planté. Bon. Ouais, carrément planté. Voilà. Donc voilà. Alors, donc ici vous avez, j'ai un tableau, c'est spreadsheet. Voilà. En fait, j'ai fait comme sur le truc perso, donc j'ai pris les mêmes terrains, etc. Donc là, vous faites pas attention, c'est un tableau que je me suis fait avec les champs que j'ai à moi. Et donc voilà, là c'est mes quantités. Donc mes quantités, comme là la semence, je sais que sur l'autre partie, comme j'ai les mêmes parcelles. J'ai les mêmes champs. Il faut à peu près 2 tonnes de semences. Donc, je sais combien je dois en commander pour avoir 2 tonnes de semences. Après, ici, vous avez les champs que j'ai à moi. Donc, le 10, le 11 et le 12. Ça, on comprend. Là, vous avez un tableau pour moi qui est le tableau des champs à faire. Donc, là, ça sera 0, 0, 0. Mais en rouge, c'est ce que. Était pas fait, en vert c'est tout ce qui était fait, et là vous avez marqué la culture qui doit être. Bon, là ici tu peux hop faire ça, tu peux hop faire ça, voilà, et tu peux faire ça aussi. Après tu retrouves la couleur que tu veux, la couleur que tu veux, hop là, voilà, on efface tout. Donc on va hop tac hop voilà hop et c'est en bleu comme ça ira plus vite. Là c'est en bleu aussi, voilà. Donc voilà, alors ici vous avez les champs qui sont à moi. Donc charrue en rouge, c'est ce que je mets, et ce que j'ai pas fait, en vert, c'est ce que j'ai fait. Donc, charrue, par exemple, là, on a carrément fait l'étape du semis. Donc l'étape de semis, là, il faudrait que je rajoute un tableau, mais on verra après. Donc là, vous avez charrue, cultivateur, la culture, donc la culture de ce quoi je sème, donc peut-être que je vais pas le mettre, on verra. Et les 3 étapes d'engrais, si je les ai fait ou pas, si j'ai eu le temps de les faire dans ma partie ou pas. Et la récolte, si j'ai récolté le truc. Et après moi je peux savoir avec le tableau, me dire bah tiens, si sur comme là le grand champ, ça va être le numéro 12. Le numéro 12, je n'ai pas charrué, je n'ai pas cultivé, j'ai pas ce cultivateur, mais j'ai cultivé du colza, et j'ai fait mes 3 étapes d'engrais plus récolte. Si je ramasse ma récolte et je me dis dans le champ, ça y est, bon, j'ai fait du colza, bah dans ce champ je peux faire du maïs. Donc il faut que je fasse toute l'étape d'engrais, toute l'étape à faire, toute la procédure pour toute l'étape à faire, par exemple charrue, cultivateur, semis, bon, semis de maïs, et après les 3 étapes, etc., etc. Le remettre un peu à zéro, le mettre un peu à zéro sur le tableau. Là, vous avez, donc là, comme j'ai dit, c'est les quantités, donc la semence, là, il faut que je mette l'engrais aussi pour moi de mon côté, pour savoir le nombre de tonnes, les champs que j'ai à moi. Excusez-moi. Merci. Désolé si ça fait un surbrillance, c'est le jeu. Ici, vous avez le tableau des tarifs de l'ETA de location. Donc, eux, ils ont un tracteur, une remorque, une moissonneuse. Donc, la moissonneuse qu'on a dans la ferme n'est pas à nous. Donc, faut que je la ramène à l'ETA. Ils ont une masse, bon, plateau, ils n'ont pas toujours, ils ont rien, mais ils ont deux tracteurs, ils ont une petite bennette.
Ils ont un puits levé, etc. Donc déjà puits levé. Donc puits levé, hop. Puits levé, ça s'écrit comme ça déjà d'une. Et c'est le tarif est à l'heure et par jour. Comme ça, ils gagneront de l'argent, etc. Ici, vous avez. Ouais, cool. Là, je vais faire copier si tu veux bien. Copier. Là, je vais faire supprimer. D'accord. Et je vais le remettre en blanc. Là, je vais mettre en cultiver. Et le cheveu, c'est une couleur personnalisée. Voilà. Donc, c'est remis. Alors, là, vous avez la banque. Donc, ETA, eux, ils ont 0 euros. Nous, on est la banque. On est en côté banque. Nous, on est la banque. La ferme céréalière, etc. et vache. Hein. Donc là, vous voyez qu'en vert, c'est les positifs, c'est l'argent qui arrive. Et en rouge, c'est ce qui est l'argent que je dépense. Donc, ce qui n'est pas, qui est en blanc et en noir, c'est ce qui me reste. Donc, au début, on a commencé avec 20 000. J'ai vendu le 14,55 102 000. J'ai donc eu au total 122 000. Et après, j'ai dépensé 45 090 euros. Pour le tracteur, donc il nous reste ça maintenant. Alors, des fois, je me remodifierai. Si vous voyez, ouais, j'ai eu 2000 euros de plus, etc. C'est pas que j'ai vendu quelque chose, c'est que des fois, quand je loue quelque chose, quand je loue, pas je loue, mais quand je modifie un truc sur un tracteur de l'ETA, c'est à l'ETA, c'est juste que j'ai pas fait la modification du tarif, et donc je mettrai sur leur banque à eux, et moi je me remettrai le prix que j'avais. Vous inquiétez pas. Là, vous avez l'ETA, donc produit, quantité et prix. Ça, c'est par exemple quand ils vont acheter de la semence pour eux. Merci le jeu. Hop, je vais quitter. Quantité, ça sera le nombre. Par exemple, s'ils achètent de la semence, bah, le nombre de big bags, le nombre qu'ils ont pris de sacs, etc. Et le produit, c'est ce qu'ils ont acheté. Donc, avec le tarif total. Alors, ça peut concerner aussi les véhicules. Véhicules, semences, engrais, ce que tu as, eux, ils possèdent en véhicule. Et moi, de mon côté, c'est pareil. Donc là, on n'a pas fait. Mais alors, c'est le 14,55. Je vais mettre XL. Donc, je vous montre. Voilà. Alors, 1, parce que j'en ai acheté qu'un. Je fais au propre. Et là, je mets le prix qui est 45 090 euros. Et je le mets en... Tac, voilà. Donc voilà pour cette petite précision. Là, pour mon côté à moi, pour le côté de terrasse, j'ai fait un truc de gestion parfait. Donc là, on peut mettre... Bon, là, je mettrai à la fin, peut-être, quand j'aurai fini. Mais voilà, je le laisse tout en ouvert. Si vous voulez voir l'autre... Bah là, je pense que je vous le montre en live, mais ouais. Je vais pas trop me tarder sur cette vidéo, c'est pour ça que je fais au plus vite. Bon, je peux fermer, ça enregistre tout seul, hein, vous inquiétez pas. Je vais retrouver tout ça, je vais retrouver tout ce que j'ai marqué. Donc voilà, toutes les modifs. Donc nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous mettre comme ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si toujours pas fait. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre. Tout ce qui est dans la description, n'hésitez pas aussi à faire un don si vous avez envie. N'hésitez pas, comme je dis, osez, osez, comme on dit. Si vous avez envie, vous avez envie. Donc, nous, on se retrouvera pour dans la semaine pour ETS, que là, je vais faire tout à l'heure. Et pour moi, tout à l'heure, parce que moi, on est dimanche, vous savez bien, que je fais les vidéos dimanche pour les mettre dans la semaine. Donc, ça sera du ETS, voilà, je vais pas vous spoiler, mais voilà, en multi, si ça marche aujourd'hui. Donc moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous dis bye bye.